Bonjour à tous mes chers seigneurs, c'est Thomas et bienvenue sur Crypto Royale. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, les bridges. Les bridges ça consiste en quoi? Ça consiste à envoyer une crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Aujourd'hui on va envoyer de la Binance Smart Chain au réseau Polygon, anciennement Matic. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous réclame un pouce royal pour soutenir votre jeune roi. Donc nous allons nous rendre directement sur le site du bridge qui est Xpollinate. Alors c'est parti. Donc nous voilà sur Xpollinate. On doit tout d'abord connecter notre wallet à ce site. Donc on utilise MetaMask. Donc là vous pouvez déjà voir que je suis sur la Binance Smart Chain. Donc là c'est normal puisque je suis actuellement sur la Smart Chain ici. Donc là c'est bien BNB et là on va prendre Polygon. Donc là on va prendre de l'USDT puisque j'en ai dans mon wallet. Donc là vous pouvez voir 17,7 USDT. On va vouloir envoyer le max. Donc là ça calcule évidemment les frais et ce qu'on va recevoir. Vous pouvez voir que je vais avoir 40 centimes de dollars de frais et 17,31 dollars dans mon portefeuille sur le réseau Polygon. Donc là on va justement approuver ce transfert. Donc c'est parti, là on confirme. Donc là vous pouvez voir 10 centimes de frais. Il suffit d'attendre la confirmation. C'est confirmé sur le MetaMask. Là ça va se fermer dans 4 secondes. Du coup après que la petite fenêtre se soit fermée, on a juste à swap, on confirme pour avoir justement les 17,31 qui vont arriver sur notre portefeuille Polygon. On confirme ici aussi. Donc là on n'a plus qu'à attendre. On a juste à attendre ici pour justement pouvoir claim notre transaction. Ça prend généralement quelques minutes, le temps que la transaction soit approuvée. Je vous retrouve dès qu'on peut claim cette transaction. Hop, vous pouvez voir donc là que c'est ready to claim, donc on va cliquer dessus tout de suite. Donc là ça nous rouvre la page, on signe pour claim les fonds, on signe encore ici sur MetaMask, on attend que les fonds soient claim. Ça prend généralement toujours un peu de temps, hein. C'est normal le fait qu'on change de blockchain. Et voilà, du coup le claim a été réussi avec succès. Donc on va justement se rendre sur notre réseau Polygon, hop, donc sur MetaMask, on choisit le réseau Polygon. Et voilà, là on peut voir Matic. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas reçu les USDT. C'est normal puisque le token USDT n'est pas enregistré sur mon wallet. Donc déjà, il faut savoir que le réseau Polygon n'est pas mis automatiquement sur MetaMask. Donc pour l'ajouter, je vous conseille un site. On va se rendre dessus. C'est justement Chainlist, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Donc là, vous avez juste à connecter votre wallet à chaque fois. Et vous pouvez voir qu'il y a le réseau Polygon à ajouter à MetaMask. Il y a plein d'autres réseaux. Et justement, je vous conseille ce site puisque c'est très rapide. Donc on va se rendre sur CoinGecko pour ajouter justement l'USDT puisqu'il n'apparaît pas sur notre wallet. Donc nous voilà sur CoinGecko, on va aller sur le Tether, USDT. Il suffit d'aller sur contrat pour avoir justement l'adresse du jeton. On trouve Polygon, il faut faire attention puisque là c'est Ethereum. On choisit Polygon, vous pouvez cliquer directement sur la tête du renard pour ajouter automatiquement le token à votre wallet. Mais nous on va justement copier pour que je vous montre. Donc là c'est copié. On va sur nos toilettes et là on importe un jeton ici. Là on n'a plus qu'à copier USDT, comme vous pouvez le voir, ajouter un jeton personnalisé, importer des jetons. Et là vous pouvez voir les 17 dollars qui ont été envoyés grâce au bridge Xpollinate. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce royal, le royaume n'en sera que plus grand. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi que suivre mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée, que la fortune vous sourie et à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ce sujet qui nous passionne tous, la crypto. Je vous laisse apparaître quelques vidéos qui pourraient vous intéresser.